Et je vais vous remettre vos livrets scolaires. Annabelle ? Oui ? Martin ? Oui ? Ray ? Monsieur Ray ? Monsieur Ray, seriez-vous absent ? Mais non, je suis présent, mademoiselle. Je fais mumu sur mon bureau. Je suis en train de faire la distribution des carnets scolaires. Quand je vous appelle, répondez oui. Oui, mademoiselle. Vous dissipez la classe, espèce de vaurien. Je ne supporte plus vos singeries. Vous aurez un avertissement. Bravo, vous l'avez dit en cœur. Ah ouais, c'est parfait. Magnifique. Bravo, Ray. Oui, bravo, Ray. On fera un beau duo, pas vrai? Cette classe est impossible, j'en ai vraiment assez. Nous n'avons jamais pu faire un seul cours sérieusement. Et toi, est-ce qu'il est bon ton carnet? Ah, je n'ai jamais eu d'aussi mauvaise note. Et toi, mon vieux, comment il est ton carnet? Oh, c'est sérieux. Allez, fais pas tant de manières, quoi. Oh, formidable, c'est super. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est super, j'avais 2 en maths et là, je suis monté à 6. T'as réjoui pas trop vite. C'est pas un 6, regarde bien, c'est un 0. Et toi, tu as eu de bonnes notes? Ah oui, je suis pas mécontente. C'est super, tu as des 5 presque partout. Oh, et moi, je n'en ai eu qu'un seul, et c'est en gymnastique. Ça te fait quand même 3 de moyenne, remarque. C'est pas si mauvais, après tout. Attendons de voir le carnet de Ted, on va bien rigoler. Le trimestre est fini, et les vacances commencent maintenant. Mais ceux d'entre vous qui ont obtenu de mauvais résultats auront intérêt à travailler très dur. Oh et Ted n'a eu que des 1 partout. Attendez au moins la sortie. Ça y est, on peut s'en aller. Au revoir, mademoiselle Hilary, passez de bonnes vacances. Au prochain trimestre. Prenez soin de vous, n'attrapez pas froid. Au revoir et bonnes vacances. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Youpi! Pas encore, mes enfants. N'oubliez pas que c'est le jour du nettoyage et c'est justement votre tour aujourd'hui. Vous êtes tous de corvée et vous n'y échapperez pas. Vous devrez nettoyer toute l'école. Je ne vous laisserai pas partir avant que ce soit fait. Elle nous a donné toute l'école à nettoyer pour rattraper toutes les fois où nous ne l'avons pas fait. Au revoir. Bonne vacances. Regardez-les, c'est vénère. Ils sont déjà en vacances alors que nous, on doit rester pour trimer. Dis donc, Ré, tu veux un coup de main? Oh oui, ce serait chic, t'es vraiment un ange. Pour Laura, hip-hip-hip, hurra, vive Laura! Non, Laura, ne les aide pas, il faut qu'ils paient toutes les bêtises qu'ils ont pu faire tout au long de ce trimestre. Ah bah Julie! Mais la punition est un peu sévère, tu ne trouves pas? Ils ne sont que 5 et ils doivent nettoyer toute l'école entière. Tant pis, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils sont tellement sympathiques, c'est pour ça que j'aimerais les aider. Pour Laura, hip hip hip, hurrah, hurrah, Abba Julie, jetez la doigt. Pour Laura, hip hip hip, hurrah, hurrah, Abba Julie, jetez la doigt. Et c'est ça que tu appelles des garçons sympathiques, toi. Vraiment, je ne vois pas pourquoi tu irais les aider. Tu as raison, laissons-les se débrouiller. Bah tant pis. Allez, on s'en va. Bon, on vous laisse, les gars. Au revoir et bon courage. Et tâchez de bien faire votre travail, surtout! Notre dernier espoir vient de s'en aller en vacances. Au
travail, les gars. Nous n'avons pas le choix. Nous devons accomplir noblement notre tâche. N'emploie pas de grands mots. Ce n'est qu'une punition. Pour une organisation efficace, il va falloir qu'on se répartisse le boulot. Ted et Dan, vous êtes chargés de balayer la cour. Attends. Toi, Jeannot, tu vas désherber. Chic. Toi, Jim, tu ramasses les ordures. Et comme il ne reste plus de travail pour moi, eh bien, je peux m'en aller. Bon courage, les gars. T'en vas pas si vite, mon vieux. Sérieusement, à ce que je vois. Allons, c'est lui qui nous distrait. Je ne vous laisserai pas partir tant que vous n'aurez pas fini. Bon, les gars, je crois qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Il faut qu'on fasse le boulot. Bien, les gars, on n'a pas le choix. On doit accomplir noblement notre tâche. Ted et Dan, vous balayerez la cour. À des ordres. Toi, Jeannot, tu désherbes. Chic. Jim, tu ramasses les ordures. Et comme il ne reste plus de travail pour moi, eh bien, je peux partir. Non, laissez-moi. Ah, vite, par ici. Dangereux. Voilà, c'est terminé, on peut passer à la suite. Nous avons presque terminé. Une fois qu'on aura fini de nettoyer cette classe, nous pourrons nous considérer en vacances. Alors, pour que le travail se fasse plus vite, je propose qu'on se répartisse les tâches. Ted et Dan, vous remettrez les meubles en place. À tes ordres. Toi, Jeannot, tu effaces le tableau. Chic. Jim, tu ramasses les ordures. Et comme il ne me reste plus de travail pour moi, eh bien, je peux rentrer chez moi. Puisque tu es le chef, eh bien à toi de prendre le bouillon. Non, mais pour qui tu nous prends? Dis donc, j'espère qu'il sait nager au moins. T'inquiète pas pour lui, c'est un débrouillard. Non, mais c'est vrai quoi, de qui se moque celui-là? Bon, allez, au travail. Dépêchons-nous, les gars. Plus vite on finira, plus vite on sera libre. Et les copains? Est-ce que je peux vous servir quelques rafraîchissements? Ah, c'est pas l'imbécile. Ah, hop. Oh. Il est complètement sonné. Ah ça oui, il a pris un sacré coup. Un malheur peut devenir un bienfait. Nous n'avons plus besoin de lessiver le sol, mes amis. Nous n'avons plus qu'à passer la serpille. Très bien, on va pouvoir attaquer maintenant. Allez, allez, tous en position. Est-ce que tout le monde est prêt pour le grand nettoyage final? Attention, on y va. Ça y est, c'est fini. Nous avons fait notre part et nous pouvons rentrer chez nous. Notre chef fera le reste. Il devrait avoir fini maintenant. Et où êtes-vous? Sortez de votre cachette. Où est-ce que tu allais comme ça? Ouais, j'allais vous chercher, mademoiselle. Tiens
donc, et c'était pour me dire que tu avais déjà fini le travail? Oui, venez voir, tout est fait. Vous verrez les classes. Je suis sûre que vous ne reconnaîtriez pas tellement c'est beau. Quelle différence, vous ne trouvez pas? Je sens que ça va exploser. Vite, cachons-nous. C'est ce qu'on appelle le nettoyage par le vide, n'est-ce pas? Et regardez, c'est nickel, non? Pourtant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la pure vérité. Je peux vous le jurer sur ma propre tête. Ce n'est pas un mensonge. Ce professeur principal de la classe 10 de notre honorable collège, c'est-à-dire Mademoiselle Hilary, une ravissante personne âgée de 24 ans, charmante en apparence, mais cruelle et hystérique en vérité, est absente pour maladie. T'arrêtes de le dire un peu plus simplement. C'est vrai ça, elle est absente. Pas pour longtemps, je reviendrai. Chut alors, il faut qu'on fasse ça. Hé, ça va pas la tête? Excuse-moi. Je me demande comment une femme qui survit à une chute d'un immeuble de 50 étages peut tomber malade. Je me demande ce qu'elle a comme maladie. Peut-être que c'est très grave. C'est vrai quoi, Mademoiselle Hilary a une santé de fer. Elle n'a jamais manqué un seul cours. C'est vraiment un miracle qu'elle soit clouée au lit. Comment peut-elle parler comme ça? Elle est vraiment dure. Il faut que Mademoiselle Hilary soit très souffrante pour décider de rester chez elle. Très bien les gars. Maintenant que c'est terminé, tout le monde se repose. Tu vois bien que ce n'est pas fini. Regarde autour de toi. Allez, au travail, c'est pas le moment de faiblir. Pauvre Mademoiselle Hilary, c'est ma faute si elle a attrapé un coup de froid. Oui, c'est arrivé hier soir. Vous savez quoi? Non, je vous écoute. Non, rien. Écoutez, il faut que je vous dise... Non, rien. C'est à cause de moi si elle a attrapé froid. Je ne suis vraiment qu'un pauvre imbécile. Oui, qui est-ce? C'est moi. Je viens prendre de vos nouvelles. Oh, monsieur, c'est ça. Comme c'est gentil de votre part, je vous en prie, mais entrez. Merci. Je suis désolé pour hier. Ah, ça y est, on a terminé. Écoutez, j'ai une bonne idée. Étant donné que c'est samedi et que nous sommes libres à présent que nous avons fini, je propose qu'on aille voir Mademoiselle Hilary pour tuer le temps. Vous êtes d'accord? Mais rendre visite? Oui, ça me paraît être une bonne idée. Moi, je trouve pas. Et pourquoi? Parce que je vous connais, tiens. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont employé l'expression « tuer le temps ». Je trouve que c'est louche. Oui, tu as raison. Je me suis dit exactement la même chose quand je l'ai entendu dire qu'ils voulaient la voir pour tuer le temps. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça, voyons. C'est seulement une façon de parler. On va lui rendre visite parce que je crois qu'en nous voyant, elle va aussitôt retrouver la santé. Je suis sûr que ça lui fera une bonne surprise de voir ses élèves. Il n'est pas question qu'on aille avec vous! Oh, très bien! Alors c'est décidé à l'unanimité. En avant, marche! Comment ça, à l'unanimité? Nous te signalons qu'on n'a même pas voté! Idiot! Sois y aller quand même. J'ai une idée. Oui, c'est ça, bravo Ray, très génial. C'est une idée fantastique, une idée sensationnelle. Écoutez-moi, et si on lui apportait un cadeau? C'est une bonne idée, mais il faudrait le payer de votre poche, parce que je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent, moi. Moi non plus, alors il faudra vous débrouiller entre vous. Ça ne fait rien. De toute façon, le mieux, c'est encore de lui apporter un cadeau de chez nous. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'acheter quelque chose de cher pour cette peau de vache. Oh, on dit du mal de moi, ça j'en suis sûre. Éternuée. Oui, ça c'est une bonne idée. Je trouve que tu exagères de la traiter de peau de vache. Moi, je vais lui apporter une belle nature morte que mon père a peinte il y a une dizaine d'années. Oui, ça va lui faire plaisir. Comme mes parents sont fleuristes, moi je vais lui apporter un bouquet de fleurs. Moi, je lui offrirai mon caleçon à fleurs pour aller avec. Arrête de dire des âneries, imbécile. Bon, alors voyons ce qu'on pourrait bien lui apporter. Moi, je lui apporterai un jouet de notre boutique. Et moi, un bon gâteau de notre pâtisserie. Et moi, des produits pour le vin. Moi, je vais lui apporter une bouteille de champagne. Et moi, je vais lui apporter des bandes dessinées. Ouais, ouais.
pour les joyeux loupins. Hip-hip-hip-ouah ! Et qu'est-ce qu'on lui dira en donnant nos cadeaux ? Prends guérison ! Allez, viens, on s'en va, ne restons pas avec ces imbéciles. Partons, ne restons pas avec les... Joyeux loupins ! Achou ! Alors, comment ça va? Est-ce que vous vous sentez en appétit? Regardez, je vous ai préparé un bon plat de riz. Merci, c'est gentil. Vous savez, ça m'embarrasse un peu que vous vous voyez dans cet état. Allons, ne soyez pas embarrassés. Ça arrive à tout le monde. Et voilà. Oh, comme c'est appétissant. Tenez. Ouvrez la bouche. Allez. Pour me faire plaisir, d'accord? Pourquoi tu t'arrêtes comme ça tout à coup? Écoutez, il y a un problème. Je ne sais pas où elle habite. Oh! Alors pourquoi tu nous as proposé d'aller lui rendre visite? Je suis désolé, les gars. J'avais pas pensé à ce détail. Pardon, je vous demande pardon. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? Hey, que... Ouvrez la bouche. Allez. Allons, soyez raisonnables. Sinon, je vais me fâcher. Mes félicitations, monsieur le professeur. C'est délicieux. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Cette espèce de sale petit démon. Mais qu'est-ce qu'il venait faire ici? Oh, mais vous avez froid? Tenez, couvrez-vous vite. Oh, ma pauvre tête. Et ça y est, il revient à lui. Tiens. Est-ce que ça va, dis-moi? Et vous ne savez pas, je viens de rêver que j'étais allé rendre visite tout seul à Mademoiselle Hilary. J'étais dans son lit et j'ai même mangé du riz qui était absolument délicieux. Ouais, on n'a pas le moral à raconter la stupide. Dis-nous plutôt comment on va faire pour trouver sa maison, tu veux? Eh bien, je crois que nous allons la trouver si nous continuons à marcher. T'as bientôt fini de te moquer de nous? Oui, oui, allez, non, c'est tout à fait juste. Ah, les voilà, viens vite, rattrapons-les. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils sont tous par terre. Allez, réveillez-vous. Arrêtez, c'est pas le moment de faire des imbéciles. Alors, toujours aucune amélioration à ce que je vois, hein? Tenez, je vous ai rajouté du riz. Quand on est malade comme vous l'êtes, il faut bien se nourrir, vous savez? Merci, vous êtes vraiment une mère pour moi. Je vous assure que je ne comprends pas ce que le monstre venait faire ici. Allons, n'en parlons plus. Essayez de vous calmer. C'est fini maintenant. Le vilain monstre est parti. Oh, mais je n'ai pas rêvé. Allez, mangez avant que ça ne refroidisse. C'est tellement bon, un plat de riz bien chaud. Oui, c'est vrai. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous en prie, calmez-vous. Ne vous agitez pas, c'est très mauvais. Petit monstre, il m'a le perron. Allez, réveillez-vous. C'est fini, voilà. Hé, les copains, je crois bien que sa maison se trouve dans cette direction. J'ai encore rêvé que j'étais chez elle. Encore? C'est une véritable obsession. Ça y est, nous y sommes. Comment peut-il être sûr que c'est ici? J'ai l'impression qu'il nous mène encore en bateau. Ah, vous avez vu le nom de sa maison? La Villa du Combat. Oh, ça lui va très bien. Oui, j'arrive. Non, non, ne bougez surtout pas. Je vais aller ouvrir. Non, je vais y aller. Écoutez, vous êtes très gentil, mais il vaut mieux que j'aille ouvrir la porte. Elle est un peu spéciale. Elle se bloque facilement. Oui, voilà. Attendez, je vais vous aider. Laissez-moi faire. Est-ce que vous allez me laisser tranquille à la fin? Mais de quel droit vous osez entrer chez moi sans permission? N'avez-vous aucune éducation? C'est vrai.
vraiment terrible, n'est-ce pas, mademoiselle? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment aucune éducation. Ils sont si mal élevés. Bonjour, mademoiselle Hilary. Tiens, monsieur, c'est ça. Ça alors, quelle surprise. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venu lui rapporter un livre que j'avais emprunté. Oui, dis la vérité. D'accord. Nous sommes venus pour prendre de vos nouvelles et pour vous apporter des cadeaux. Des cadeaux? Oui, nous ne les avons pas payés, alors n'hésitez surtout pas à les accepter. Tenez, moi je vous ai apporté ça. C'est un tableau peint par mon père. Et moi c'est un bouquet de fleurs. Oh, c'est gentil. Écoutez, je suis vraiment très touchée. Je vous remercie beaucoup et j'espère pouvoir bientôt retourner au collège. Moi je vous ai apporté un beau gâteau d'anniversaire. Regardez, mademoiselle, du vin, c'est pour boire à votre santé. Et moi, je vous ai apporté des produits de toilette. Regardez, est-ce que ça vous plaît? Je vous ai apporté des bandes dessinées. Et moi, je vous ai apporté un avion à réaction de notre magasin de jouets. Regardez, il est très chouette. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est génial, n'est-ce pas? Vous avez osé faire des courants d'air dans la chambre d'une malade! Attendez que je vous attrape, bande de canailles! Vous allez voir! Au train où elle va, je pense qu'elle sera capable d'assurer ses cours dès demain matin. Ils exagèrent quand même. Tu ne crois pas qu'ils pourraient l'aménager un petit peu? Oh ben ça y est, j'ai compris. C'est pour ça qu'il disait que dès qu'elle les verrait, elle retrouverait la santé. Attention! Attrapez-nous! ¡Gracias!